Et donc, salut les amis, oh là, attendez, je vais retirer ça, ça va être mieux comme ça. Je disais donc oui, donc salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bon Halloween. Donc en ce moment, comme je vais le poster aujourd'hui cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite sur une map créative que je vous ai concocté pour un discount spécial Halloween. Donc que j'ai fait de 15 niveaux. Donc on est tout de suite parti pour le faire les amis. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et donc on est parti. D'ailleurs, donc là, comme c'est vraiment Halloween, donc c'est une grande fête quand même aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre en commentaire si combien de tonnes de bon, enfin pas de tonnes, hein, de kilos de bonbons vous avez récupéré si vous avez défilé dans votre ville ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre, alors vous marquez hashtag bonbons et vous mettez le nombre, la quantité de bonbons que vous avez eu. Et aussi hashtag cosplay et vous mettez le déguisement que vous avez mis, comme ça on fera un petit jeu dans les commentaires. Bref, on est parti les amis, donc. Comme vous pouvez voir, on est dans un Discord que j'ai créé, donc spécial Halloween. Donc n'oubliez pas, bien sûr, hein, on s'abonne à ma tournante. Donc bonjour et bienvenue sur ce Discord spécial Halloween créé par Mashmello. Donc c'est mon pseudo Fortnite. Je rappelle que vous pouvez me rajouter en ami. Et donc, il y a 15 étapes sur ce Discord. Donc on va le faire le plus rapidement possible. Et on n'oublie pas aussi, n'oubliez pas d'aller me follow sur Twitter. On est tout de suite parti, les amis. Alors on commence avec le premier niveau. Donc je joue manette pour ceux que ça intéresse. On commence, alors là, le piège basique, regardez, je vais vous montrer, je vais faire les trucs, voilà. C'est tout simplement, fallait sauter par-dessus. Donc, on est parti. Donc là, maintenant, je vais pas vous montrer à chaque fois qu'est-ce que ça fait le niveau. On va tout refaire d'un coup, et on va essayer de tout faire le plus rapidement possible. Donc, hop, on est parti pour le premier. Le deuxième, bon là, enfin, c'est toujours le premier niveau, on braine les pièges, et on saute. Voilà, le deuxième, alors là, attention, je vais vous expliquer, en fait, là, vous voyez, il y a deux sols, ici. Et c'est parce qu'en fait, c'est des barrières. Sauf que bon, moi je le sais, mais et en fait, on va penser qu'il faut prendre le boost qui est là sur le mur, et en fait, ça va nous projeter dans les barrières, on va se prendre des dégâts après, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est sauter ici et hop, prendre le pad ici pour arriver là, d'accord. Ça m'a éjecté, je sais pas trop loin. On va recommencer. Là, je sais pas pourquoi ça m'a téléporté trop loin, enfin pas téléporté, mais emmené trop loin. Je savais même pas qu'on pouvait le pad pouvait emmener aussi loin un joueur. Donc cette fois-ci, on va essayer de revenir sur le checkpoint. Voilà. Alors là, très compliqué parce qu'en fait, il faut sauter d'affilée. Je vais tenter de lui faire le premier coup, attention. D'accord, ça commence bien. Hop, hop, hop. Et du premier coup, les amis, je suis content parce que là, j'avais eu du mal quand j'avais testé mon Discord, forcément, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce niveau. Et donc, enfin, à le faire en Discord, quoi. Et donc, on est parti. Ensuite, la course en phono. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça, voilà, comme ça. La course en fantôme, on est bien parti. Non. Je me suis fait voir par ce petit fantôme. Je sais même plus combien je suis placé de fantômes dans cette course avec des piquants là. Avec des pièges, je veux dire. On est donc reparti. Deuxième essai, les amis. J'espère que ça va pas être trop long non plus parce que je vais essayer de faire le plus vite possible parce que, mince, 15 niveaux, il y en a quand même beaucoup. Donc, ça fait quand même longtemps que j'ai commencé à faire ce Discord et puis ça me plaisait vraiment beaucoup de faire un Discord sur Halloween. Donc, je l'ai commencé il y a assez longtemps pour vous le faire aujourd'hui en vidéo. Hop, on est bien parti. Là, on est bien parti. Non! Non, je me suis pris le bord du fantôme. On est reparti. Là, je me concentre. Je sens que je vais bien le faire, les amis. Là, je le sens bien. Allez, on tourne tranquillement, on tourne tranquillement, tranquillement, tranquillement. Là, on tourne ici, on tourne ici. On le prend pas, on le prend pas, on le prend pas. Je tente une dernière fois, les amis. Si j'arrive pas, je ferai une petite coupure. Mais c'est dommage parce que j'adore faire les discounts. Ça aussi, c'est dans les maps créatives. C'est une de mes maps préférées, le Discord, tout ce qui est, enfin une catégorie de maps préférées. Et en fait, j'adore les faire. En plus, ceux que je crée, bah forcément, hop. Hop, là, il passe bien, il passe bien, il passe bien. Bon, je tente une dernière fois parce que là, je vous ai parlé en même temps. Et sinon, je n'y arrive pas, je fais une coupure après. Allez. Hop, on va prendre un double boost. Voilà, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Oh là, oh là, oh là. Hop, 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 hop. Donc, je vous fais une petite coupure, les amis. On se retrouve juste après que je finisse la course. Il restait juste un virage. A tout de suite. Et donc les amis, on est de retour après multiple essais, j'ai enfin réussi. C'est donc vous voyez en fait il restait juste ce petit virage là à faire. Il y a même un moment je suis arrivé et c'est le dernier fantôme que je me suis pris. Donc bon, je suis content, j'ai réussi à faire ce niveau-là parce que réellement. Donc là ensuite les amis, donc attention, si tu regardes cette vidéo et que tu es arachnophobe, ferme les yeux juste pendant ce niveau-là. Et donc ceux qui sont pas arachnophobes, vous pouvez regarder. Donc là voilà le niveau des araignées. Donc en gros, on doit sauter sur toutes les araignées pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Sauf que la troisième, normalement, faut sauter très rapidement parce que si on reste dessus, on prend les pièges. Hop, regardez. Allez, on est parti. Là, oui, hop, rapidement. Ah oui. Et premier coup, les amis. Premier coup là, je suis content. Premier coup, ce niveau. Allez, là ensuite, bon, ça c'est facile. Ça c'est la base, le principe d'un discrun, la base. Quasiment, il y a quasiment ce niveau-là dans tous les discruns. Hop. Allez, on attend que les glaçons se cassent.
Donc oui, donc ce Discord, j'ai dû le commencer il y a à peu près 2 semaines, quoi. Et puis je l'ai fait petit à petit, tranquillement. Donc ensuite, on passe au prochain niveau. Je crois que c'est le 8e niveau qu'on en est. Hop, alors là. Bon. Faut juste pas tomber dans la lave. Pourquoi ça fait des étincelles? Mince. Je sais pas pourquoi, ça fait des étincelles. Bah non, ça en fait plus là, mais il y avait un petit bug apparemment. Match, mais là, après un bain trop chaud. Bah oui, ça j'ai remarqué que c'est sûr que de la lave, ça fait un peu chaud. Oui, ça brille, là, regardez. Ça clignote, je sais pas pourquoi. Hop, on continue, les amis, c'est parti. Allez. Je disais décidément pourquoi à chaque fois j'arrive pas à celui-là. Bon. Pourtant, je me suis vraiment entraîné pour ce Discord pour essayer de le faire le plus rapidement possible. Et puis là, je comprends pas pourquoi je tombe à ce niveau-là. Là, je le sens bien. Attention, hop. Voilà, les amis, on continue bien, je veux dire. Oula, pas trop loin, pas trop loin, pas trop loin. Maintenant, je suis trop loin. Hop, on continue, hop, dernier, hop, et on fait le dernier petit saut, voilà. Hop, on en est au 9e niveau, du coup, alors voilà, hop là, les petits ressorts, les petits, oui, les petits ressorts de flipper, ça, pas de difficulté, hop. Et voilà, les amis, 10e niveau, on est parti, donc là, ça aussi, normalement, je maîtrise à peu près bien. Allez, le dernier, pas le dernier, oui, bien, je suis content de moi, là, je suis vraiment content de moi, parce que j'y arrive bien. Donc là, après, bah, on doit passer donc avec le planeur dans les portes. Hop. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai eu le planeur du coup du top 1 du roi de la tempête, là, oui. Du niveau du roi de la tempête, donc le nouveau mode que Epic Games a mis sur Fortnite. Qui est d'ailleurs pas mal, hein. Je tiens à dire, c'est pas mal pour un événement pas de Battle Royale, c'est quand même pas mal. On est parti du coup, hop. Allez, allez, on peut le faire. C'est pourtant pas compliqué de base. Hop, allez, 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 ici, on passe, on passe, on passe, on passe. Le dernier, et oui, les amis, on l'a fait. Alors, attention, là, c'est les escaliers de l'enfer. Attention, il y a beaucoup de pièges à Brain. Hop, voilà, là, on passe en haut. Hop, hop, ça, on passe. Bon, je sens que je vais être obligé de faire une coupure sur ce niveau-là parce que c'est le 11e et c'est horrible. Rien que pour tester, je me rappelle même plus si j'ai réussi entièrement à le faire du premier coup. Enfin, pas du premier coup, mais à le réussir entièrement une fois. Hop. Hop, ça passe. Ça passe. Et ça passe. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il faut continuer sans être trop lent, parce que sinon on se prend feu dans le dessous, donc ce derrière, je veux dire. Donc c'est ça qui est horrible dans ce niveau. Mais après, j'adore Brain les pièges comme ça, je sais pas, moi je trouve ça satisfaisant. Voilà, oula, oula, vite, 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 allez, voilà, ça c'est bon, hop, ça c'est parfait. Oh là, j'ai eu peur. Les amis, un maximum de pouces bleus. Oh, le brain. Allez. Oui, attention les amis, plus que deux. Et oui, les amis, on l'a fait enfin, pas du premier coup, mais on l'a fait sans s'arrêter, sans coupure. Je suis extrêmement fier de moi parce que. Pour moi, quand j'avais testé il y a 2-3 jours mon Discord, c'était impossible. Oh, je suis content, réellement content d'avoir fait ce niveau. Ensuite, on continue forcément au 12e niveau avec un dropper. J'étais quasiment obligé d'en faire un parce que dropper, j'adore aussi les droppers. J'en fais pas beaucoup, mais je trouve ce mode de map assez marrant. C'était pas prévu ça. Bon, on continue. Allez, je retente cette fois-ci, c'est la bonne. Hop, allez, ouais, ça passe bien, ça passe bien. Et attendez, on braille le dernier petit piège. Voilà. Allez, 13e niveau, donc là pareil, hein, il faut faire des jumps avec les pads, enfin pas les pads, non, les accélérateurs. Non, j'ai cru que j'étais trop loin. On continue, hop. Hop, allez, encore plus que 1 du coup. Voilà, et ça passe. Attention, on est au dernier niveau, les amis, dernier. Ou en fait, il faut juste tout simplement sauter sur les petits fantômes. Dernier, avant la fin de ce Discord spécial Halloween que j'ai fait pour cette vidéo. On est parti, attention, hop, celui-là il est bon, celui-là ça passe. Alors faut pas sauter sur le hey, la bulle, comme ça, faut sauter vraiment sur le fantôme. Et dernier saut. Et voilà les amis, le Distron est fini. Alors voilà, donc en plus j'ai fait une petite salle de fin, donc subscribe and follow. N'oubliez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et oui, follow, maintenant c'est même pas vrai. Et n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Et donc là, la fin, voilà, de mon Distron Halloween que je vous ai fait. GG. Et attention, le petit téléporteur pour la fin. Hop, et on revient à la case départ. Voilà, en tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, donc comme ça, pour Halloween. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec tous vos amis et toutes les personnes que vous connaissez.
N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et de m'ajouter en ami sur Fortnite, du coup, avec mon pseudo Matchmelo, je le rappelle. Attendez, je vais vous amener pour que vous voyez comment ça s'écrit. Voilà, juste ici. N'oubliez donc, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien et je repars avec mon petit masque. Ciao!